Bienvenue, vous êtes chez Altior. On est sur le site à Orléans. Altior, bon, depuis le Covid, c'est une entreprise qui, comme toutes les entreprises, fonctionne beaucoup en remote. À l'origine, on avait déjà beaucoup de sites. Hein. Il y a Le Mans, Grenoble, Nice, Orléans est un des gros sites et l'autre gros site est à Shanghai. Voilà. Donc là, vous avez une des pièces les plus psychédéliques chez Altior. Donc, c'est ici qu'on fait tout ce qui est test radio et test CEM. Alors les tests CEM, quand vous avez un produit qui est marqué CE, ben c'est ces fameux tests. Donc c'est ici qu'on fait les tests de pré-qualification. Alors là, vous avez toute la partie R&D, donc beaucoup de R&D électronique, mécanique, et avec toute une équipe d'ingénieurs qui fonctionnent les uns à côté des autres, parce que quand on dit objet connecté, on parle produit et il ne s'agit pas uniquement de concevoir une carte électronique, il s'agit de concevoir un produit avec tout ce que ça veut dire, donc packaging, etc. Donc là, on a les labos de test où on va mettre en route les cartes. Là, typiquement, vous voyez une enceinte Alexa. Donc là, on est en train de faire mon marché des modules en Zigbee pour allumer la lumière avec Alexa, donc les produits NOD. Donc ici, on a différents labos. On a le labo tout ce qui est SAV, un service qu'on fait pour tout le labo contrôle qualité. Et puis, un laboratoire hyper important dans la création de nos produits, c'est le laboratoire de qualification. Ça, c'est quelque chose de extrêmement important dans la fabrication des produits et que de l'acteur. Donc là, on va venir faire des tests. Donc on va tester des boutons. On a testé pour la 100 000 fois sur un bouton qui marche bien. On va tester des moteurs. On va tester des vibrations. On va tester des résistances. On va tester des essais climatiques. On va tester des chocs, etc., pour s'assurer que les produits dure dans le temps et qu'on évite de parler de chuter, donc c'est un programme dont on parle d'un peu. Bien entendu, la fabrication additive, donc tout ce qui est impression 3D, que ce soit avec différentes méthodes, que ce soit impression à des dents, polyamide de laser ou tout simplement des pots de chine. Et puis, on a ici nos ateliers. Donc, comme vous le disiez, Altior, les gros sites sont Orléans et Shanghai. Donc, à Shanghai, on a notre propre usine avec 170 000 personnes. Ils font fabriquer la plupart des produits. Mais on a aussi ici notre atelier de montage, qui est principalement pour l'aspect launchpad, où on va fabriquer tous les produits en petite série.